I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera une vidéo sur petite retour de courses quotidiennes. Comme j'ai pas mal de légumes dans mon potager et pas mal de choses dans le frigo, donc je n'ai pas pu acheter grand chose. Et je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Venez avec moi. J'ai pris du tofu. J'ai pris une boîte lait coco. Un paquet de nouilles comme ça. Je n'ai jamais encore goûté, donc je vais tester. J'ai pris les racines de lotus. En fait, il y avait le paquet, sauf que le paquet est percé, donc j'ai mis dans l'assiette. Ensuite, j'ai pris les nouilles transparentes. J'ai pris une bouteille de panda. C'est une sauce aux huîtres. Et pour finir, j'ai pris un paquet de farine de riz. Cette semaine, j'ai pas fait beaucoup de courses parce que j'en ai des trucs dans le frigo et dans le congèle, donc j'achète que ça. Du coup, tout ça me coûtait 13 euros. Voilà, ça ce sont les légumes de mon potager. Donc j'ai 4 courgettes, 4 poivrons, une aubergine, des tomates. En fait, ils se sont abîmés par les insectes. Je sais pas qu'est-ce que c'est qui vient faire des trous dans mes tomates. Ça aussi. Et là aussi. Et celui-ci, c'est sont abîmés par la pluie. Je suis un peu déçue. Bon, voilà. Et ça, c'est les tomates que j'ai cueillies chaque jour. Regardez comment ça pourrit. Donc voilà. Et ça, j'ai cueilli ce matin. Parce que j'ai peur qu'on fasse les trous dans mes tomates. Donc j'ai tout de suite cueilli. Voilà. Ça, c'est mes carottes. C'est mon premier année de carottes. Ben, ils sont pas très gros. Hein. Et de ce côté, c'est les légumes de ma maman. Donc ça, c'est courgette asiatique. Regardez, c'est super long. Elle m'a passé deux aubergines, deux concombres. Ça, je sais pas comment ça s'appelle en français. Et ça, c'est concombre asiatique. Donc voilà. Donc pour une semaine, j'ai de quoi manger. C'est pour ça que je n'ai pas fait les courses. Pour ce soir, je vais faire entrée tomate avec mozzarella. Avec de l'huile d'olive et du vinaigre. Et pour le plat, ça sera nouilles sautées aux légumes, racines de lotus, du courgette, poivron, de la sauce huître et avec du bœuf, avec du poivre, avec du sel et du poivre. Je vais cuire les nouilles en premier. Donc je vais jeter parce que c'est pas beau. C'est pas bon à manger. Down, yeah. I've been feeling so. J'ai bien juste coupé lotus, poivron et courgette en petits morceaux ainsi que l'ail. J'ai mis sauce huître, du sel et du poivre.
Donc, pour ce soir, je vais faire une entrée avec légumes du jardin. Donc, sauf les salades qui me restaient dans le frigo. Celui-ci, c'est pas mon jardin. Avec la sauce vinaigrette. Donc, voilà. Et pour le plat, je voulais faire brochette poulet au citronnelle. Donc, j'ai besoin du poulet, du sel, 2 gousses d'ail, 3 branches de citronnelle, du curcuma et accompagné avec du riz. Donc pour ce soir, j'ai décidé de faire un poisson grillé à la poêle accompagné avec du riz. Et pour l'ingrédient, j'ai besoin des tomates, salade, un concombre, un demi-échalote, des gousses d'ail, de la sauce poisson et des citrons. Donc tout d'abord, je vais cuire le riz et le poisson en premier. Je fais cuire mes poissons dehors parce que sinon ça sent super fort dans la maison. Voilà. Je mets des échalotes, de l'ail, sel. Une cuillère à soupe de sucre. Du citron. Donc, j'en ai fait 2 différents parce que moi, j'adore le piment. Et que mon mari n'aime pas le piment. Donc voilà. Je viens juste de finir de couper les légumes, donc maintenant je vais mettre dans la salade. Alors, ce soir, j'ai décidé de faire une pâte cambodgienne avec la farine de riz et accompagnée avec des légumes sautés avec des œufs, du tofu
Et pour l'ingrédient, j'ai besoin de l'ail, du sel, poivre. Et voilà, c'est parti. Voilà, c'est monsieur qui fait la cuisine ce soir. Et oui, tout à l'heure, j'avais oublié de filmer que je vais mettre aussi les tomates qui sont là en fait. J'ai oublié de filmer. J'ai bien juste coupé les courgettes, les tomates et tofu et aussi d'ail. Tout d'abord, je vais faire dorer les tofu en premier. Alors pour faire épaissir la sauce, j'ai mis une cuillère à café de farine, de riz. Je mets 3 œufs. Du sel et du poivre. Pour ce soir, j'ai décidé de faire que des entrées, donc je vais faire salade aux légumes avec la sauce vinaigrette. Donc j'ai besoin de la moutarde. Vinaigrette. Et pour deuxième entrée, je vais faire un beignet crevette, des œufs, de la farine, sel, du poivre, de la levure chimique. Et pour la sauce, ce sera sauf ketchup et les mayonnaise. Je viens juste couper les carottes en petits morceaux et j'ai coupé aubergines en rondelles parce que je vais les faire griller à la poêle. Les courgettes, j'ai creusé des trous pour faire la décoration, et ça c'est à l'intérieur, donc maintenant je vais les faire cuire. Après la cuisson, je vais mettre refroidir dans le frigo, comme ça ça donne le meilleur goût. Sauf les tomates, je vais manger frais. Je viens de penser que j'avais du lait dans le frigo, du coup je vais mettre aussi. Donc les crevettes, je vais saisonner un petit peu avec du sel et du poivre.
C'est le jardin de ma maman. C'est trop joli, regardez. Oh, comme c'est gros, regardez. Regarde comme c'est long. Il fait au moins 2 mètres. C'est dingue. Regardez là. Je fais les courses chez ma maman. Non. Hop. Ah, les concombres. Voilà. C'est bon pour les courses. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu. Mettez un j'aime pour me soutenir. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que moi j'adore lire vos messages. Et je vous fais des gros bisous. Mouah.